on doit, de la part du pilote 260, eh bien, être là, aujourd'hui, être dans les 30 premiers dans cette série, en tout cas, pour espérer rester au contact du classement général virtuel. C'est Joliguin qui prend l'intérieur avec les voitures numéro 208. Je le vois pas. Hop, et là, ah oui, je le voyais. Bien sûr. Voilà. Et on repart de la part de Julien. Ouais, on repart de la part de Julien, tout va bien. Julien Gorin est loin. Et lui, il est loin à la quatrième place. Il va falloir revenir pour la voiture numéro 260. Je vois rien. Régis Lebras en position de leader. Il a été en tout cas à la faveur eh bien, du feu de pilotage de la part de Joliguin. Et derrière, c'est bien Nicolas Graal qui mène la poursuite. Je ne vois rien de ce. En seconde position, je crois bien Nicolas Graal. On va voir que ouais, s'il est capable de revenir, Nicolas, à la faveur de ce troisième tour. Et celui qui peut espérer d'ailleurs aujourd'hui, il peut espérer reprendre peut-être la quatrième place du classement général de la Coupe Brest-Post-Tour, alors qu'il essaie de conserver sa seconde place, mais il est sous la menace de la voiture numéro 48. Il est passé. Cédric Cuby qui est en effet à la chasse hein, dans le viseur. Ah non, il a perdu sa place. Sur Nicolas Graal. Il a pris de polar. Il n'arrive pas à passer Cédric. Il n'est pas passé dans les tours précédents, dans les hectomètres précédents. Et Nicolas Graal ferme parfaitement les portes, en tout cas avec des trajectoires. Et on va voir un freinage peut-être différent de la part de Cédric Huby pour mieux reprendre la droite d'en face. Alors que Sephora s'affûte. Alors Solido pour la BX, Solido pour Julien Gouin, il en veut, il sait qu'il doit rester au contact aujourd'hui. Elle a faut le faire. J'ai rien vu. Elle a faut le faire. Julien Gouin ne doit rien. Allez, Jules. Bon, il a failli partir sur le côté là, allez, peut-être en tonneau, et Cédric Huby n'est toujours pas passé, Nicolas Graal a parfaitement contré pour l'instant en troisième position alors qu'on va signer la victoire. Et Cédric Huby a contré.